Elle est dresseuse, ta copine ? Comment elle a fait ça ? L'enfant. Vous connaissez l'histoire du mytho qui criait tout le temps au loup ? C'est elle, Nina. Le jour où il a dit la vérité, plus personne n'a voulu le croire. J'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. C'est quoi cette odeur ? C'est parce que mes parents, ils ont une porcherie. Pourquoi elle a un trémouf sur le dos, elle ? Ça, c'est parce qu'elle doit partir à l'abattoir. Faut pas qu'elle meure, faut la sortir d'ici. Et encore moins à cause d'une histoire d'amour. On pourrait l'emmener dans un refuge pour les animaux menacés. Mais c'est où exactement ce refuge ? C'est dans les Pyrénées. Elle a un nom. Fleur. T'as pas idée de ce qu'elle a embarqué avec elle, ta fille ? Les faux certificats devaient tout. Les échéanciers. Tu laisses madame se balader avec ? Prie pour qu'on retrouve ces petits fumiers avant le keuf. Et au début, tu savais pas où t'allais ? De quel droit gardons-nous en captivité des mammifères sensibles ? Peut-être que Fleur, elle serait bien là-bas. T'as défoncé ma caisse, je vais te tuer, toi. Attaque ! Quand j'étais petite, je me suis fait opérer à cœur ouvert. Et on m'a mis un bout de cœur de cochon. Je suis différente. Je vous entends. Confie notre business à la putain de Jeanne d'Arc du cochon. Ce n'est pas un jeu, Nina. C'est une guerre qu'on mène. Je leur montre ce que ça fait de voir sa propre mort arriver. Ça va pas finir moche. Ça va finir très moche. Toi, t'as tout vu depuis le début. La petite communique avec les animaux. Et moi avec les aliens.